Dimanche matin, l'avion d'Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX 8 à destination de Nairobi, s'est écrasé au sud de la capitale Addis Abeba. L'avion aurait perdu le contact 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba. Cet accident tragique a tué les 157 personnes qui étaient à bord, dont 8 ressortissants chinois. Qin Yetao fait partie des 8 Chinois qui ont péri dans cet accident mortel. Il travaillait pour la société Aviation Industries of China qui a construit le hangar de maintenance et l'hôtel 5 étoiles Skylight d'Ethiopian Airlines. Ses collègues et amis se sont rendus sur le site de l'accident pour lui dire au revoir et lui rendre un dernier hommage. On m'a dit que mon ami, M. Jin, n'était plus joignable et qu'il avait réservé des billets pour le vol ET-302. Ensuite, j'ai immédiatement vérifié s'il était à bord. Alors finalement, quand nous avons appris qu'il était à bord, je suis immédiatement parti à Addis depuis Beijing. Au tout début, nous avions appris qu'il pourrait y avoir des passagers qui auraient survécu. Nous espérions donc qu'il était vivant. Yetao était en voyage d'affaires à Nairobi. Le représentant de la compagnie en Éthiopie a déclaré qu'il travaillait pour la société au Soudan du Sud depuis plus de 5 ans et qu'il avait toujours aimé l'Afrique et rêvait d'apporter la technologie à la jeune génération africaine. Il était en voyage d'affaires. Nous avons un programme d'éducation au Kenya. Nous construisons beaucoup d'écoles techniques pour former des jeunes de la région à l'utilisation de machines, de bulldozers et d'excavateurs. Il était en charge de ce programme d'éducation. Lors de ses derniers mots au téléphone, mon ami m'a parlé et m'a dit qu'il venait via Addis pour manger l'injera, car il aimait beaucoup la culture et la nourriture éthiopienne. C'est pour ça que je lui ai apporté de l'injera ici. Sur le site de l'accident, des débris de l'avion sont éparpillés sur une vaste zone aussi grande qu'un terrain de football. L'impact de l'accident a créé un trou de plus de 10 mètres de profondeur et de 50 mètres de diamètre. L'enquête pour connaître la cause de l'accident est toujours en cours. L'enquête se passe bien, mais nous creusons toujours le sol et nous extrayons les débris de l'avion. Demain aussi, nous travaillerons là-dessus. Nous ne savons pas exactement quand cela va finir. Une fois que nous aurons fini l'extraction, nous passerons à la collecte des données. Lundi après-midi, les enquêteurs ont retrouvé les deux boîtes noires. Ils espèrent que cela facilitera l'enquête. Comme beaucoup d'autres pays, Ethiopian Airlines a aussi suspendu tous les vols de Boeing 737 MAX 8 par mesure de sécurité à la suite de cet accident. Zenab Halfom, Société française, Bishoftu, au sud d'Addis Abeba.